Je suis encore là-haut, la maman. Bon, maintenant, bon matin, tout mi fan, hein? Bon matin, ce matin, je me suis fait un café, un bon café noir, parce que là, c'est vendredi. C'est vendredi. Un bon café noir. Attends d'abord que mon rouge à lèvres se fixe bien. C'est quand je... J'ai aussi fait le thé. Je me suis fait un café. Je me suis fait un thé. Tout là. C'est-à-dire, je suis bien là. Je suis bien ce matin là. C'est vendredi. Oui. Ouh, j'adore le vendredi. J'aime le vendredi. J'aime le vendredi. C'est vendredi. On se lève de bonne humeur. On s'est couché tôt le soir. On a fait nos 8 heures de sommeil. Voilà, avec beaucoup de rêves. Des rêves trop cute. Pas des cauchemars. Puis qu'on est dans le mois d'Halloween. Voilà. Puis c'est ça. Puis on s'en va travailler de bonne humeur. Voilà, c'est ça. On est bien. On fait ce qu'on a à faire. On remercie le bon Dieu. Voilà. Pour cette journée encore qu'il nous offre, voilà. Et voilà. Donc, et on se met au travail. Voilà, c'est important. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, pas de ton couetou. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Parce que la sueur du couetou donne beaucoup plus d'argent. Bon, moi je sais pas. Moi la vie c'est un choix. Moi je pas. Je ne mets pas mes yeux sur les choses. Je ne vois pas quelque chose. Je veux comme ça. Je veux. Non, maman la paix. Donc voilà. Donc ce qui fait que voilà, je me dépêche là. Que j'aille vivre vite là. J'espère ne pas trouver de bouchon en route là. Sinon, ben, je vais être en retard, c'est tout. C'est pas compliqué là. Bon monsieur. Voilà. J'espère ne pas trouver de bouchon en route parce que voilà. C'est ça. C'est compliqué. Si je trouve le bouchon, ben just too bad. Just too bad for me. Bon matin mes fans, bon matin ceux qui me suivent, ceux qui me font l'amitié de me suivre. Alors, le bruit que vous comprenez là, c'est mon morfleur qui est comme, voilà. Et mon garagiste, chaque fois il dit, I'm gonna call you. Il ne m'appelle pas. Mais écoutez, les garages là, c'est devenu compliqué ici là. C'est-à-dire, c'est du genre, il faut que tu voyages, aller loin pour voir le garage. Parce que mon garage qui est pas loin de chez moi, très compliqué, voilà. Donc, peut-être samedi, demain, je vais peut-être aller au garage à Montréal pour régler mon problème. Voilà, je n'aurai pas le choix, ça va me bouffer mon samedi, mais bon, il faut que ma voiture soit en santé. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire que j'ai bien dormi. Voilà, très belle nuit. Voilà. Il faisait froid par exemple, il fait déjà froid les nuits. J'avais aussi des bouffées de chaleur, vous savez, la ménopause. Ouh, tout d'un coup, tu as la sueur sur toi, un gingembre, comme si on avait versé un seau d'eau. Tu te touches comme ça, ton cou est collant. J'ai des personnes qui me disent qu'elles se lèvent pour aller prendre une douche, c'est pas facile. Hein, voilà. Donc, à part nos vieilles ménopausées qui n'assument pas, là, mais nous, on est dedans. Voilà, c'est ça. Et c'est une étape de la vie. Et c'est de valeur, de grâce. Tu dis merci, Seigneur, de me faire permettre de vivre jusqu'à maintenant. Parce que, voilà, c'est ça. Ce matin, je vais m'adresser beaucoup plus aux mouches, donc oui. Parce que, écoutez, hier, dans mes marches, j'ai vu que ma patouche a mis un poste d'achat de jet privé de Ngoy pour faire le bim. Voilà. Mon problème, ce n'est pas
Parce que les gens m'ont dit qu'elle est jalouse. C'est parce qu'on lui donne pas. Oh, oh. Je n'attends pas qu'on me donne. Hein. Je n'attends pas qu'on me donne. D'accord? Je ne suis pas là pour attendre qu'on me donne. Mais il est un fait. Vous ne pouvez pas être des personnes avec des connexions de 25 francs pour insulter les bien gens comme nous tout le temps. Et vous lever et dire que vous allez payer de vos poches, comment on appelle, chacun 250 euros chacun pour pouvoir faire le bim et acheter la voiture en Goué le jour de sa soirée. Oh là là, quelqu'un organise une soirée pour se faire du blé, pour se faire de l'argent, bien qu'elle mange déjà l'argent de billets avant que la soirée arrive et que les prestataires auront beaucoup de soucis cette soirée-là. Vous devez cotiser pour payer les prestataires. Au lieu de penser à la meilleure cotisation, vous pensez à la cotisation pour lui donner une voiture pour qu'elle fasse le bim. Mince. Moi, je suis dans ma Lipois. Je me déplace. Je pars où je veux, quand je veux. On est encore à l'air de la voiture? Question. Et si vous cotisez pour lui acheter une voiture, ça fera le bim à qui en fait? Puisque la voiture qu'elle avait avant, on lui a seulement donné. C'est le temps quoi, comment on appelle, de l'Allemagne qui lui avait donné ça. Maintenant, vous dites que vous allez faire le bim en cotisant pour qu'elle achète une voiture. C'est parce que le bim là, c'est sur qui en fait? Qui a la misère? Peut-être que c'est un pantalon qui ne conduit pas. Qui aura peut-être la jalousie et la machine de dire qu'elle a une voiture. Parce que même Pépé a une voiture qu'elle conduit. Je veux dire, quand vous parlez de vos stamps rakata que vous avez ici sur Facebook. Là. Voilà. Donc j'ai dit, comme vous dites que vous allez acheter la voiture là, pour faire le bim là. C'est le bim à qui en fait? C'est qui en fait? À qui le bim en fait? Je comprends pas. Quand nous, quand je dis nous là, oh Seigneur, je trouve l'embouteillage, c'est l'enfer. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand ça commence à arrêter ici, je vais faire au moins 3 minutes ici encore. Oh là là. Parce que je faisais toutes mes choses du matin. J'ai souvent des routines du matin là, un peu compliquées là. Mmh. Oh, il est bon mon café. Je n'ai pas mis du sucre. Alors j'ai fait un café à la vanille française et du lait. Juste sucre et lait, là. Juste vanille et lait et eau chaude. C'est très bon. Quand j'arrive ici, normalement, il doit être plus avancé. Quand je suis loin ici, derrière, c'est pas bon. Et puis, il y a le feu, c'est pas bon. Parce que le feu, si est lent, les voitures vont doucement, doucement. Oh là là, ça m'énerve. Oh là là, je risque d'être en retard. C'est énervant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas grave. Donc, moi, je dis, je ne comprends pas comment des personnes qui ont la connexion de 25 francs, qui, n'est-ce pas, ont envie de parler, tout ça. Comment je peux dire, ont la connexion de 25 francs, peinent à nourrir leur famille, à se mettre bien, à s'offrir même une qualité de vie, vont cotiser 250 euros. Donc 250 euros, c'est comme 100. C'est combien de 1000 CFA? 65. 130. Et maintenant, 120. 65, 120 plus 500, 130. Et maintenant, le reste, c'est combien là? Plus 30 et demi. Donc, on va dire 150. 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA, qui est le salaire du Camerounais moyen? Que bien des abonnés de Ngoï Satan sont des gens qui ont les call box et qui n'ont même pas 35 000 francs qui est le salaire minimum par mois. Je ne sais pas si ça a augmenté à 50 000 parce qu'ailleurs le salaire minimum augmente. Je ne sais pas si au Cameroun ça augmente, je ne sais pas. Donc, elles n'ont même pas 35 000 francs CFA le mois, mais elles doivent mettre 250 euros chacune pour que ça fasse peut-être 100 personnes qui cotisent 250 euros, qui font le montant pour acheter la voiture et faire le bim. Que quand elle fait sa soirée, on lui offre la voiture. Vous gagnerez mieux à payer déjà les prestataires de la soirée parce que chaque jour qu'elle prend 100 euros, elle nourrit en engrenant des boîtes de conserve et elle se nourrit elle-même. Donc, c'est compliqué. Les prestataires n'auront pas les salaires s'ils n'insistent pas avant de commencer leur shift. Vous voyez, non? Donc, franchement, moi, je ris parce que c'est surtout le mot bim. Je ne sais pas contre les qui veulent faire les bim. Ils veulent chicoter les qui, ils veulent épater les qui parce qu'une voiture. Nous, ici, là, au Canada, là, je me lève, là, je vous dis, moi, là, je me fâche, là. J'entre chez Tesla. J'entre chez Mercedes. Je prends, je signe la voiture.
Chaque mois, on va me dire que tu as payé 1 000 $. 1 000 $ chaque mois, il dépose. Je fais comme ça 5 ans, la voiture me revient. J'ai dit 1 000 $ chaque mois. C'est comme ça. Donc, je me fâche. Je dis, je me fâche. Je dépose les poids. J'entre chez Tesla. Je signe. Je prends la grosse voiture. Je dis que je me fâche demain. Je dis que là, voici la Tesla. Chez nous, c'est comme ça. Donc, une voiture là, c'est pas quelque chose que. Donc, oui, elle a tué son crédit interdit, banquette, tout ce que vous voulez. Elle ne peut même pas avoir une voiture. Elle ne peut pas. C'est qui je suis, c'est ça. Elle ne peut pas. Une voiture là, j'ai dit que je me fâche. J'entre chez Tesla et prends la voiture. Yes, il m'a pris le feu. J'entre chez Tesla et prends la voiture, je me fâche là. Je vous assure. Hé, hey, je prends la voiture jusqu'à ce que. Merde, vous parlez de quoi? Je me fâche, je dis que bon, moi là, j'entre chez Tesla, je signe la dernière voiture. Même si c'est 100 000 $, 150 000 $, je signe. Et je paye, si c'est 150 000, je peux payer même 1 800 ou 2 000 chaque mois. Je m'arrête de travailler, je fais même un deuxième travail. Il y a même tellement de possibilités. Je prends même la Tesla là, le week-end que je n'ai rien à faire, je fais le Uber pour aller déposer les gens. Oui, la voiture travaille, c'est-à-dire que je travaille mon travail, je travaille encore Uber même. Vous parlez de quoi? Vous parlez même à qui? Je wonder sur vous, hein. Je wonder vraiment sur vous. Quelque chose qu'on a encore la santé. On fait les bilans de santé, le médecin nous donne le résultat, on dit amen. Maintenant, vous vous dites que vous allez venir le 250. Je dis que faites vite. Parce que si le BIM là, si le jet privé là ne descend pas, on va se moquer de vous collectivement. Donc battez-vous. Allez vite demander à temps quoi, de vous trouver une Lipois du côté de l'Allemagne qui tient la route. Achetez hybride. Hein, parce que les gens sont maintenant dans hybride ou électrique. Si vous achetez encore essence que vous êtes avant. Mais je suis genre hybride, électrique. Hybride, électrique. C'est comme ça maintenant. Donc achetez une hybride, s'il vous plaît. Hybride de grâce. Vous voyez ça, s'il vous plaît. Voilà. Achetez hybride ou électrique, surtout électrique même. Elle va brancher ça haut. Elle va demander aux propriétaires de l'immeuble qu'on va bientôt la chasser. Qu'elle va mettre une borne en bas pour brancher. Bande de ce que je pense. Si moi j'achète une électrique, j'ai plusieurs pans de mur sur ma maison. Hein. On colle ça là tout de suite. Tu me bon, la borne, vous venez le mettre chez nous. Hey, tu déménages avec la borne, ma. On va bientôt te chasser dans l'appartement. La borne va se placer où? Par là qui? Ouf. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit avoir déjà fait à un certain âge. Je suis désolé. Vous allez écarter. Et tout, voilà vos collègues qu'on tue comme des coqs. Et puis on vient filmer. Vous venez vous placer, vous les filmez nus, vous balancez sur les réseaux. Non mais franchement, vous avez une vie de merde. On ne peut rien faire avec votre vie. Franchement, c'est mon foutre en moi ça. Je ne sais pas comment j'ai fait même pour croire, pour m'approcher, pour faire un événement, inviter une prostichienne comme la putain à cela. Tous les jours, je m'en veux. Je m'en veux au plus profond de mon être. Attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Les femmes avec la connexion de 25 fois, n'ont pas libre. Parce que vous asseyez même pour m'insulter, la connexion coupe. Vous mettez un mauvais commentaire sur mon truc. Je viens, je vous prends, je vous publie. Ça prend 2 jours pour que vous venez lire que vous êtes publié. Tellement vous n'avez même plus la connexion. Regardez-moi ça. Parlez à qui? Eh ben non. J'ai dit que payer ça, il doit hybride ou électrique. Hein. Électrique maintenant, là, c'est la mode. Tout le monde est électrique. Oui. Elle va le poser la bonne ou sur le chevet du mur d'Anna Nkrenga. Parlez de quoi? Parlez à qui? Ouf. C'est pas m'bâtonner. C'est mon lab fou que comme dis donc. Sommes-le pas qui ça là même? Sommes-le pas qui ça là même? Est-ce que mes lunettes de lecture? Mes lunettes de lecture sont là, c'est bon. Quand je ne les ai pas souvent, mes yeux se fatiguent. Mais là, je prends le jus de carotte très souvent. Leslie est fait poisson, carotte, betterave, tout ça. Et ça m'aide beaucoup pour la vue. De temps en temps, je lis sans lunettes. Hein. C'est de plus en plus. Si vous faites des cures de carottes, hein, mes fans, hein. Carottes, betteraves, tout ce que vous voulez là, ça vous permet, ça aide beaucoup pour la vue. Oui, ceux qui ont même des problèmes sérieux de vue là, mettez vos jus de carottes là. Faites extraction pure là, fait maison là. Oh là là. On va pas vous dire, hein. Ça va être vraiment cool, je vous assure. J'espère ne pas trouver. Franchement, regardez-moi ça. Elle va aller prendre la voiture, elle va mettre la borne où? Sur le chevet du lit de l'appartement, de la chambre de Anna. Ça va monter comment? La corde va être longue. Hein. Je suis en. Ne me parlez. Ne parlez, une propriétaire, mon frère. Mon frère. Mais c'est pas possible. Que oui, on va faire le bim. Hey, c'est moi qui. J'ai dit que c'est moi qui choisis de rouler dans la Lipois. On peut choisir d'être simple comme ça. C'est moi. C'est pas les choses. Je dis que j'ancre à Tesla. Ici, là, chez nous, ça ne. Vous connaissez, ça ne chauffe pas. Tu entres, tu dis que c'est Mercedes. Tu signes. Tu dis que ça va te coûter 1 500. Chaque mois, tu déposes 1 500. Ok. Tu peux même pas la Mercedes, tu fais le Uber. Ça devient Mercedes VIP. Les clients, tu peux déposer les clients et puis tu déposes. Ok.
Et c'est ça que c'est ça que c'est ça. C'est ça qui fait ton. Tu payes la mensualité de ta voiture avec le Pambe de Uber. Vous êtes sérieux. Je connais une, j'ai une amie italienne. Elle a acheté Tesla. Elle n'a pas fait 2 ans. Hein. Elle a payé toute sa voiture au complet. À l'époque. Quand je dis à l'époque, il y a peut-être 4 ans. Oui. Elle faisait que Uber. Et elle a payé sa voiture en 2 ans. Au complet, une voiture de 5 ans. Chaque semaine, elle travaillait, elle payait seulement la voiture. La voiture lui est revenue 2 ans. C'était derrière elle en Tesla. Pareil, quoi. Les gars, il y a tout. C'est que tu viens d'arriver au Canada, tu dis que j'ai mes papiers, je vais faire quelque chose. Tu ne veux même pas réfléchir. Tu passes signé. Tu prends la voiture, tu commences à Uber, tu te mets en ligne. Oui, tu t'amènes les gens à l'aéroport, tu amènes les gens partout. Oui, madame. Et tu fais l'argent. Ça ne chauffe pas. Parce que vous avez insulté, ouais, fais Uber, ouais, fais ceci. Il y a les sous-métiers. Je préfère faire Uber que d'aller garder. On vient m'égorger. Mes copines viennent me filmer. Mes copines viennent mettre ma nudité sur les réseaux. Ça là. Mieux faire Uber, 10 ans, 20 ans. Mieux même Dieu me donne la force jusqu'à 80 ans, il fait que faire Uber. Mieux vous venez me trouver dans mon Uber, vous porte, vous dépose. Imbécile. Bande de ce que je pense. Je vois, vous chirez, vous fou, qu'un cran. Balabla. Bon, d'autres chou. La borne de la voiture électrique que vous allez parler, vous allez mettre ça où? Sur Facebook. Elle va brancher la voiture sur Facebook. Elle va dire non, c'est notre mafo. C'est notre mafo. Comme Kalamongo agit là. On branche la voiture, le courant de Facebook. Qu'elle prenne parce que pour vous la faire, elle n'a même pas 1 million d'abonnés. J'espère que vous avez déjà réglé ça. 1 million d'abonnés, elle n'a pas. Page certifiée, elle n'a pas. Elle est star. Numba Uno est là. Chez les Ivoiriens, là, tous ceux qui sont Numba Uno, là, on voit les 1 million d'abonnés. Ceci, cela, tout. Tout est aligné. Donc, arrangez-vous. Numba Uno est de mon. J'ai dit que, oh, des gens qui me font pécher. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que je me lève un vendredi. Un vendredi vraiment beau comme ça et je me mets à pécher. Franchement, Seigneur, pardonne-moi. À cause des femmes, si je pêche, je pêche, je pêche. Chaque temps. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ta fille. Oh, c'est bon. C'est bon, ça, là. Oh, wow. Oh. Eh, oui. Huawei. Oh, oui. Huawei. Eh, oui. Borne pour brancher la voiture électrique qu'on va acheter pour faire le bim aux femmes qui peuvent signer. J'ai entré chez Bessé, j'ai dit qu'elle est zéro au compteur. Je signe, on dit 1800 chaque mois. Il dépose 1800. C'est sérieux, comme ça ça se passe ici. Hein? Cotiser 250, 200, ça veut dire qu'elle a un mauvais dossier de crédit. C'est l'apport personnel que vous voulez. Si c'est l'apport personnel, mettez 2000. Mettez 2000 euros ou 3000. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Vous lui prenez une voiture et puis chaque mois vous décidez de faire une djangui. Quand on bouffe chaque mois, on met sur le mois de sa voiture. Une éternelle paresseuse demanderait sa famille du net de me parler. De même avoir honte d'avoir un leader mendiante pro max comme ça. Là. Maman, ça là. Il y a les feux aussi qui durent. Quand tu es en retard comme ça là, j'aime pas. J'aime être à l'heure. J'aime être à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je suis plus loin. Alors, ma boîte à lunch. Je prends mes lunettes, je mets là. Boîte à lunch. Elle a manqué comment aller chez le garage. Ils vont me dire qu'elle n'a même pas l'argent pour aller régler sa voiture au garage. Oui, c'est votre travail. Et puis ça fait quoi? Elle n'a pas d'argent. Je vais venir dire que ouais, aidez-moi. Ma voiture. Le garagiste qui fait défaut. Qui me dit que oui, je vais ceci, je vais cela, oui, je vais tout.